Toujours un plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver dans les éditions, dans le journal sur TV Plus Madagascar. Merci d'avoir choisi notre chaîne pour le journal de ce soir. Sans plus tarder, voici nos titres. 27 ministres composent le premier gouvernement de cette question en ce début du deuxième mandat d'Indra Dzuli. Les 12 ministres nouvellement nommés et les 15 reconduits ont été présentés officiellement dans la soirée du dimanche 14 janvier 2023. La bonne personne à la bonne place, c'est en se basant sur cette ligne directrice que le président de la République, Indra Dzuli, et le premier ministre Tshepstion ont choisi soigneusement les actuels membres du gouvernement en leur faisant passer des épreuves de haut niveau dans le grand oral et le test psychométrique. La nomination d'un PDS ou président de délégation spéciale ne peut se faire qu'en cas de vacance de poste selon la loi 2014-020 dans son article 130, selon le juriste Panaïman Natiaray, passe à la fin du mandat des maires depuis le mois de décembre 2023. Dans l'océan Indien à La Réunion, l'alerte violette a été levée lundi sur l'île, permettant aux secours d'intervenir et d'évaluer les dégâts du cyclone Bilal au parcours moins cataclysmique que prévu, même si un décès a été confirmé. À la une de l'actualité, 27 ministres composent le premier gouvernement de Tshepstion en ce début du deuxième mandat d'Indra Dzuli. Les 12 ministres nouvellement nommés et les 15 reconduits ont été présentés officiellement dans la soirée du dimanche 14 janvier 2023. C'est une première dans l'histoire du pays. La prestation de serment des membres du gouvernement devant le président de la République, le Premier ministre ainsi que toute la nation a été retransmise via les médias publics et sur TV+, ainsi que Radio+. Augustin Djemano remplace la Latine Rakoute Ndjazafi à la tête du ministère de la Communication et de la Culture. Cette dernière, quant à elle, se retrouvant aux commandes du ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle pour rehausser et élargir les capacités des Malagasy. Reportage de Fitia Anadoni sur les images de Ifrasat. Selon le décret numéro 2024-020, portant nomination des membres du gouvernement, le président de la République, vu la Constitution, selon le décret numéro 2024-020, portant nomination des membres du gouvernement, le président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 2024-007 du 4 janvier 2024, portant nomination du Premier ministre, chef du gouvernement, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, décrète, article 1er, sont nommés membres du gouvernement en qualité de ministre de la Défense nationale, le général de division Saïvel Lalamoun Zadelvin, ministre des Affaires étrangères Rafaravaftaf Kiarasat, garde des Sceaux, ministre de la Justice Ranjiaman Antenasoulan Dimboulatine, ministre de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire Nain Anjet Citoyen, ministre de l'Économie et des Finances, Rinje Hasmbel Rabar Nihinarson, ministre de l'Intérieur, Justin Toukel, ministre de la Sécurité publique, le contrôleur général de police, Irlal Rakutormanan, ministre de l'Industrialisation et du Commerce, Edgar Jazafunjava, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Rakutuarisul Suzelin Ratuharzon, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ndjiamanante Narazafiarson, ministre de l'Éducation nationale, Marie-Michel Saoundjar Malal, ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Akunjazaf Lalatine, ministre de la Santé publique, professeur
C'est Harvey Lorangia Manantan, ministre de la Population et de la Solidarité, Fumenjaza Hengu Elisette, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Joël Ranjemanjantu, ministre du Développement numérique, de la Transformation digitale, des Postes et des Télécommunications, Kassafunjamal Tayin, ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Jean-Baptiste Olivier, ministre des Travaux publics, le colonel Anjianachien Anjiamihaza Liva, ministre du Transport et de la Météorologie, Ramunzavel Valéry, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Fonction publique, Kazakabon Hanchaftiavan, ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Ravuka Chafidniav, ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Robert Matanti, ministre des Mines et des Ressources stratégiques, Rakutmalala Olivier Erjain, ministre de la Communication et de la Culture, Anjiamananour Augustin, ministre de la Jeunesse et des Sports, André Atarke Samp, ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Max Andonizina Fontaine, ministre délégué en charge de la Gendarmerie, le général de division, Rakutnjazaka Anji. Le gouvernement Tsei a vu le jour hier. Il est composé notamment de sept femmes, dont les nouvelles têtes de la ministre des Affaires étrangères et de la ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique. Celle qui a été nommée ministre de la Population et des Solidarités, elle, a été connue comme ayant été la gouverneure de la région d'Amourmani. La ministre de l'Économie et des Finances, la ministre de la Justice et la ministre de l'Éducation nationale, quant à elle, ont été reconduites à leurs départements respectifs. Laladine Rakutunjazafi, ancienne ministre de la Communication et de la Culture, a été affectée à la tête du ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle. Au total, 15 ministres ont été reconduits, dont le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Industrialisation et du Commerce, le ministre de la Santé publique, le ministre du Tourisme qui hérite également de l'artisanat par la même occasion, le ministre du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications, le ministre des Travaux publics, le ministre des Transports et de la Météorologie, le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, le ministre des Mines, le ministre de la Jeunesse et des Sports. 12 autres ont été nouvellement nommés, dont le ministre des Forces armées, le ministre de la Sécurité publique, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, le ministre de la Communication et de la Culture, le ministre délégué en charge de la Gendarmerie nationale, le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Benjamin, un membre du gouvernement, est âgé de seulement 28 ans. La dénomination de certains départements du gouvernement de Tsai Christian a également changé. Désormais, le ministère de la Défense nationale devient le ministère des Forces armées. Le ministère de la Population et des Solidarités remplace le ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme. Le ministère de l'Industrialisation et du Commerce remplace le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation. Le secrétaire d'État en charge de la Gendarmerie a pris le nom de ministère délégué en charge de la Gendarmerie nationale. En outre, certains départements ministériels ont été fusionnés, tels le ministère de l'Artisanat qui désormais est rattaché au ministère du Tourisme. Le ministère de la Décentralisation a été séparé par le ministère de l'Intérieur pour être rattaché au ministère de l'Aménagement du Territoire. Comme l'avait exigé le président de la République, tous les membres du gouvernement ont prêté serment devant la nation. Ils ont tous juré fidèlement d'accomplir leur devoir dans la dignité et la droiture. Le devoir d'un ministre étant d'agir uniquement dans l'intérêt de la population, d'apporter des résultats mesurables au sein de son département, de démissionner en cas d'échec, de lutter contre la corruption et d'accepter d'être traduit en justice en cas de corruption. La bonne personne à la bonne place. C'est en se basant sur cette ligne directrice que le président de la République, Indra Zuil, et le premier ministre Tsai Christian ont choisi soigneusement les actuels membres du gouvernement en leur faisant passer des épreuves de haut niveau, dont le grand oral et le test psychométrique. Les ministres du gouvernement de Christian Tsai ont également passé les tests de pression d'experts spécialisés
pour un recrutement dans la transparence, a tenu à préciser le chef de l'État lors de son discours en marge de la présentation du nouveau gouvernement. Andra Diouel a également annoncé la mise en place de 9 secrétaires d'État, en plus des ministres pour les prochains jours, pour enclencher la vitesse grand V du développement tant attendu par le peuple. Récit de Fitia Manadoni sur les images de Yves Rassad. 500 curriculums vitae de candidats prétendant à la place de ministre au sein du premier gouvernement lors de ce deuxième mandat présidentiel d'Andra Diouel ont été enregistrés dans le cadre du recrutement y afférent. L'obtention du ticket d'entrée pour accéder au poste de ministre du gouvernement Tsai n'a pas été un jeu d'enfant. À l'accoutumée, les ministres sont auditionnés par le président de la République et son premier ministre. Cependant, l'administration du président Razuel, que les prétendants au poste de ministre ont dû passer des tests de pression mis en place par des experts spécialisés. En effet, ceux qui ont gagné leur place dans le gouvernement actuel sont ceux qui ont pu réussir haut la main les tests de haut niveau de ces experts. Les expériences, les capacités techniques, le leadership, les aptitudes de gouvernance, l'éthique, l'esprit logique des candidats ont été scrutés à la loupe. C'est la première fois que les futurs ministres ont dû défendre leur stratégie lors d'un grand oral. Un ministre est avant tout un être humain. Andra Diouel avait donc exigé de chaque candidat le passage de l'épreuve du test psychométrique pour cerner sa personnalité. Ce test connu mondialement permet de mesurer les forces et la confiance qu'une personne a en elle-même et sa capacité à faire face à des débats de haut niveau, riches en expertise. Le nouveau gouvernement met en valeur la jeunesse. Le président n'a pas omis de présenter les deux Benjamins parmi les membres du gouvernement. La ministre des Affaires étrangères, du haut de ses 36 ans, s'est vue confier un ministère de souveraineté grâce à ses compétences. La nomination du ministre de l'Environnement a également suscité une vague d'ovations sur les réseaux sociaux à cause de la jeunesse de ce dernier, qui ne fait pourtant pas obstacle à son engagement pour la protection de l'environnement. Andra Diouel a également annoncé la mise en place de 9 secrétaires d'État, en plus des ministres, pour les prochains jours, pour accélérer les actions de développement tant attendues par le peuple. Il s'agit du secrétaire d'État auprès de la présidence en charge de l'électrification rurale et des ménages, du secrétaire d'État auprès de la présidence en charge de la lutte contre la pauvreté et de la réinsertion sociale, du secrétaire d'État auprès de la présidence en charge de la souveraineté alimentaire, du secrétaire d'État en charge de l'économie et du plan, du secrétaire d'État en charge de la coopération économique, du secrétaire d'État en charge de la jeunesse et de la lutte contre les stupéfiants, du secrétaire d'État auprès de la présidence en charge de la digitalisation des services publics, du secrétaire d'État en charge du commerce et de la consommation, et du secrétaire d'État en charge de l'artisanat et des métiers. La prestation de serment des membres du gouvernement est un événement clé pour le développement du pays, selon la présidente d'un groupement. La cohésion doit être également instaurée au sein du nouveau gouvernement. D'après son avis, l'unité entre tous les membres du gouvernement est nécessaire pour la mise en œuvre du développement basé sur les 3 axes définis par le président de la République, qui sont la promotion de la protection sociale, la création d'entreprises et la lutte contre la corruption. Vision qui devrait faire l'unanimité même chez les membres de l'opposition, selon toujours la présidente de ce groupement. Mikara Ndjembolaz et Arfid Rakoutmanal nous en rapportent les détails. Pour la première fois dans l'histoire de Madagascar, les membres du gouvernement ont prêté serment devant le peuple malagasy. Cette prestation de serment est un événement clé pour le développement de Madagascar, selon l'avis d'un groupement politique pro-régime. Après cette prestation de serment, la solidarité au sein du gouvernement est une priorité car elle permettra de mener dans les meilleures conditions la mise en œuvre des projets de développement initiés par le président de la République. Tous les hauts responsables doivent faire preuve de cohésion, notamment en matière de lutte contre la pauvreté, selon ce groupement. Une lutte contre la pauvreté basée sur les 3 axes définis par le président, à savoir la promotion de la protection sociale, la lutte contre la corruption et la création d'entreprises. Les actions sociales au bénéfice de la communauté doivent être entreprises
par toutes les entités de quelque bord qu'ils soient, à l'instar de ce groupement. L'opposition devrait également adhérer à cette vision du président de la République au vu de la situation de la population malagaise, toujours de l'avis de la présidente de ce groupement. La nomination d'un PDS ou président de délégation spéciale ne peut se faire qu'en cas de vacance de poste, selon la loi 2014-020 dans son article 130, selon le juriste Fanaimanana Tiaraï, face à la fin du mandat des maires depuis le mois de décembre 2023. Or, on ne peut pas parler de vacance de poste, mais de fin de mandat en ce qui concerne le cas des maires, selon ses dires. De plus, l'avis émis par la Haute Cour constitutionnelle au mois d'août 2019 avait stipulé que les maires élus pouvaient assurer les affaires courantes des communes jusqu'à l'élection de nouveaux maires pour une prise de décision efficace qui n'est pas en contradiction avec la loi. Donc, le premier ministre devrait demander l'avis de la Haute Cour constitutionnelle au sujet de la nomination de ceux qui vont assurer le fonctionnement des communes jusqu'à la publication des résultats des élections communales, d'après toujours ce juriste. Résumé de Anjar Lalarsou sur les images de Omega Nevzon. Le mandat des maires a pris fin au mois de décembre 2023. Jusqu'à présent, aucune décision n'a été prise concernant ceux qui vont assurer leur intérim jusqu'à la publication des résultats des prochaines élections communales. En effet, même la date pour la tenue de ces élections n'a pas encore été déterminée. En cas de décision de nomination de président de délégation spéciale pour assurer les affaires courantes des communes, la loi 2014-020 dans son article 130 stipule que cela ne peut être réalisé qu'en cas de poste vacant, a expliqué le juriste Fanaimanana Tiaraï. Une vacance du poste des maires constatée par le tribunal, en l'occurrence. Or, en ce qui concerne le cas actuel des maires, il ne s'agit pas de vacance de poste, mais de fin de mandat. Cet article 130 ne peut donc pas être appliqué, d'après toujours ce juriste. Par ailleurs, la Haute Cour constitutionnelle avait publié un avis stipulant que les maires pouvaient assurer les affaires courantes de leur commune jusqu'à l'élection de nouveaux maires au mois d'août 2019. Une décision prise afin d'assurer la continuité des affaires de l'État malgré l'absence de maires élus. Face à cette situation particulière, le Premier ministre devrait consulter la Haute Cour constitutionnelle avant de décider laquelle de ces deux options adopter, a ajouté ce juriste. Sans oublier que la nomination de président de délégation spéciale ne doit être réalisée que dans les conditions normalement requises, a-t-il précisé. Toujours dans la page de la politique, la passation de service au sein du ministère de la Sécurité publique a ouvert le bal de la série de passations de service entre les ministres entrants et les ministres sortants ce jour. La prévention des cas de violence et de harcèlement, surtout ceux à l'encontre des enfants, figure parmi les priorités du nouveau ministre selon sa déclaration de ce jour. La facilitation de la délivrance des passeports malagas reste aussi une autre priorité du nouveau ministre de la Sécurité publique. Également parmi ses priorités figure la lutte contre la corruption ainsi que la mise en service des infrastructures nouvellement construites dans les régions. La passation de service entre le ministre sortant, l'inspecteur général Rangian Arsan Fan Mesansouro Delis, ainsi que le ministre entrant, le contrôleur général Rakot Warmanana Irla, la s'est tenue ce jour. Tout autre sujet dans le rubrique sport, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a débuté de manière positive pour les Ivoiriens qui ont remporté leur premier match contre le Guinée-Bissau. Ce samedi. D'un autre côté, les résultats de la première journée ont été surprenants en ce qui concerne le groupe B, car les grandes équipes comme celle du Ghana et celle de l'Égypte n'ont pas réussi à s'imposer face à des équipes considérées comme plus modestes comme celle du Cap-Vert et celle du Mozambique.
Aujourd'hui, les Sénégalais, champions d'Afrique en 2021, font également leur entrée dans la compétition. Reportage sur le récit de Romi Armanana. Samedi 13 janvier 2024 a eu lieu l'ouverture officielle en Côte d'Ivoire de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette compétition de football oppose les 24 meilleures sélections nationales masculines d'Afrique. Après un spectacle d'ouverture extraordinaire concocté par la Côte d'Ivoire, l'équipe nationale ivoirienne et celle du Guinée-Bissau ont immédiatement entamé le premier match de la compétition. Dès le début, l'équipe de Fofana a dominé le jeu, ce dernier marquant lui-même un but à la 4e minute. Il y aura beaucoup de solidarité côté la En seconde période, à la 58e minute, Crasso inscrit un autre but, portant l'écart entre les deux équipes à 2-0. Dans le groupe A, le Nigeria et la Guinée équatoriale ont fait match nul un partout, permettant ainsi à la Côte d'Ivoire de prendre la tête du groupe avec 3 points. Dans le groupe B, les résultats ont été surprenants, avec des équipes considérées comme faciles à battre, montrant leur qualité de jeu. Le Ghana, quadruple champion d'Afrique, a été battu 2-1 par l'équipe capverdienne, tandis que l'Égypte, qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations à cette reprise, a été incapable de remporter la victoire et donc les 3 points y afféront contre le Mozambique. Ainsi, le Cap-Vert se place en tête du groupe B avec 3 points, suivi de l'Égypte et du Mozambique avec 1 point et le Ghana avec 0 point. Ce soir, dans le groupe C, le Sénégal, champion en titre de 2021, affrontera la Gambie, tandis que le Cameroun rencontrera la Guinée-Conakry. Dans le groupe D, l'Algérie a fait également son entrée dans la compétition lors de la première journée. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations organisée en Côte d'Ivoire ne prendra fin que le 11 février. Dans l'océan Indien à La Réunion, l'alerte violette a été levée lundi sur l'île, permettant aux secours d'intervenir et d'évaluer les dégâts du cyclone Bilal au parcours moins cataclysmique que prévu, même si un décès a été confirmé. Les détails sur France 24. Sur les trois quarts de la Réunion, oui, ça s'arrange. Moi, je suis plutôt dans l'ouest, hein, donc côté Saint-Gilles-les-Bains, où là, ça souffle encore fort. On a encore 2-3 heures de vent violent hein, qui peuvent atteindre les 120-130 km par heure. Le gros est tout de même passé. On a frôlé les 150 dans l'ouest, hein, notamment vers le port ou encore vers Saint-Leu. En revanche, dans les hauts, c'est monté plus haut, hein, parce qu'à Maïdo, au Maïdo, on a eu jusqu'à 217 km/h, 170 aussi à Saint-Denis. Mais le plus gros est passé, puisque maintenant le cyclone s'évacue par le sud-est. Il va faire une petite boucle et ensuite remonter vers Maurice dans les prochaines heures, et notamment pour la journée de demain. Bon, même si le cyclone s'éloigne, il y a encore des fortes pluies hein, qui continuent de se déverser sur l'île avec des cumuls importants. Entre 200 et 600 mm de pluie sur les dernières 24 heures, localement un petit peu plus dans les hauts. Donc, ce qui a gonflé, bien sûr, les rivières, les ravines ont fréquemment débordé hein, à travers toute l'île. Donc, des dangers qui sont très présents aussi près des côtes, hein, parce qu'on a encore une forte houle qui continue de déferler avec des vagues de 4 à 6 mètres et même parfois 8 à 10 mètres encore, notamment vers le sud de l'île. Donc, ça reste encore assez dangereux. Côté vent, ça va diminuer, surtout en soirée et la nuit. Mais là aussi, des rafales qui peuvent encore dépasser les 100 km par heure. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Retrouvez-nous plus tard dans le journal en version malagasy.